parce que le cheval a été longuement malade et on l'a bien depuis 15 jours, il est extra le cheval, mais je pense qu'il va manquer 15 jours de boulot, ça suffit pas pour un gros quoi, je pense. Alors quelles sont les ambitions au final avec ce cheval là? Bah, on va essayer de courir gentiment et comme c'est un cheval de classe, si on voit qu'on peut être dans le coup, on va pas s'empêcher, mais si on voit qu'il va manquer, on va pas le tuer pour ça. On court parce que après il a plus rien jusqu'en septembre. Mais on va essayer de courir gentiment et on verra si le cheval est bien, il a sa chance. C'est un casse-tête pour toi comme pour les parieurs et qu'est-ce qu'on en fait de ce cheval-là alors? C'est difficile. Il faut le mettre quand même parce que je pense que sur sa valeur, il peut aller avec Arcade et Jacquet. Mais c'est vraiment, même nous à la maison, il paraît très bien, mais c'est un cheval un peu lymphatique, il fait toujours le minimum. Donc on ne sait pas vraiment où il en est, vraiment, on n'a aucune idée. Quant à Ulysse, bah lui, on sait où il en est. Ah lui, ouais, on sait où il en est, il a sorti de belles victoires. Le cheval est resté bien, à 2100, on sait bien, on va essayer de faire comme la première fois. Il avait vraiment été impressionnant ce jour-là. Ah ouais, c'était facile en plus, il pointe les oreilles, c'est son truc de monter. Bon, on a vu que l'entourage du Toki défaire des 4 pieds cette fois-ci, est-ce que ça vous inquiète? Oh non, 2100, non, je ne sais pas. Donc faut qu'il reste au trot.